Bonsoir, 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 on se retrouve du coup pour ce très cher interclan entre l'ADR et la SUP. On va pouvoir cast des matchs d'anthologie, des matchs incroyables, des matchs magnifiques, ça va être très très cool. Y'a pas de soucis Sendo, y'a pas de soucis, t'inquiète pas, t'as le droit de soutenir l'ADR. De toute façon ici on n'est pas chiant à ce niveau là, t'as totalement le droit de venir pour soutenir l'ADR. D'ailleurs je vais essayer dans mon cast d'être assez... comment on dit déjà? Magnanime? Non, ça a rien à voir. Ça a rien à voir, je sais plus. Mais enfin bref, j'essaierai d'être assez pour les deux camps, tout simplement. Dans tous les cas, j'espère les gens du côté de la SUP et de la DR sont prêts. On attend un tout petit peu, mon Angel, parce que si je me trompe pas, il est en train de manger, tout simplement. Ou alors il est en train d'attendre son repas pour manger. Je sais que du côté du Buster Event, donc du côté présentiel, ils se font leur repas. Enfin, il y a une personne qui fait les repas et ils se font tous servir au fur et à mesure. Et j'ai l'impression, si je l'ai bien compris, que Angel n'a pas encore pu manger et qu'il va du coup devoir attendre un tout petit peu avant de manger. Donc on va patienter un tout petit peu, on va attendre voir quand est-ce que mon Angel arrive. En tout cas, n'hésitez pas à soutenir la SUP ou l'ADR pendant ces matchs, ça risque d'être très très cool, ça risque d'être très très intéressant. J'espère que vous êtes motivés. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà lancer Victory Road. Comme ça, ce sera prêt. Comme ça, tout est good. Ça va me permettre, par la même occasion, de vous montrer un petit peu l'interface de l'interclan. Donc, comme vous le voyez, on verra bien, du coup, mon écran qui va apparaître d'ici quelques instants. Le petit chat, la cagnotte, bien sûr, tout en haut. Les résultats, du coup, qui apparaîtront au fur et à mesure. Par exemple, là, si je mets 99 pour moi, bam, 99-0 face à Moax. Incroyable score de Taneige. Qui est-ce qui fait les castes? C'est moi et Angel Absol. Le premier match sera contre moi face à Moax pour définir du coup qui entre nous deux aura le host, tout simplement. Ah, attendez, est-ce que j'ai la voix de Angel? Et coucou, coucou mon Angel, comment vas-tu? Comment vas-tu? Bonjour, nice. Ça va bien. Du coup, je vous préviens, je vous promets pas du très très gros gameplay, bien évidemment. C'est vraiment juste pour dire de faire quelque chose. C'est moi qui a proposé ça. J'ai peur. J'ai très 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 peur. J'ai très 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 peur. Bon, au moins nos deux équipes sont niveau 30, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Merci pour les GL, vous êtes adorables. Vous êtes adorables, vous êtes adorables. Bon, du coup, pour la composition des équipes, pour moi, ça va être du fair play couplé à de la haute tension. Comme vous pouvez le voir, toute ma team n'est pas niveau 30. J'ai pas non plus tryhard énormément le jeu, hein, vous le savez, pour ceux qui sont à la SUP. Du côté de Moax, du coup, ça va nous donner une team lien, si je dis pas de bêtises, avec du vol de tension, avec Sou, pardon. Quoique, c'est une team un peu mélangé. Alors bien sûr, je le dis maintenant, je sais pas si moi que je vais être au courant, mais oui, logiquement, pas de nommage et pas de technique A, bien évidemment. Bien évidemment, bien évidemment. On va essayer de passer sur le côté, il me vole pas la balle, nice. Nice, nice, nice. Il y a du vol de tension, mais c'est pas grave, je vais quand même passer sur le côté. Tac, et on tape le plus rapidement possible. En espérant ne pas toucher le rempart de Jack. Ok, ça permet de grappiller un tout petit peu. Magnifique. Magnifique, magnifique. On va essayer de lui voler la balle juste ici, vu qu'il a loupé sa petite passe. Passe à Sean, ensuite bail long. On va passer juste là. J'aurais peut-être pas dû passer là, mais c'est pas grave. Hop. Ouais, c'est une team un peu tout. Ah mince, la passe s'est mal fait ici. C'est pas grave, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. On lui revole la balle juste ici. Hop. On le surprend sur le côté, parfait. Bon, du coup, je décris un petit peu tout ce que je fais, hein, les gars. Vous en doutez. Par contre, on en parle du maillot de Moax, ce qui est très surprenant. Hop. J'ai très peu vu ce maillot. Oula, par contre, le Zanar qui est très très bien positionné. J'ai pas de tension, donc ça va pouvoir me grappiller assez fort. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. J'avoue que je m'attendais pas à ça. Oula, la relance qui est très très mauvaise de mon côté. Très 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 mauvaise. J'arrive à passer malgré tout avec Nathan qui est très très bon, hein, faut se le dire. En dribble, c'est son avantage. Ouais, par contre son Nathan, là il est bien. Il est bien, il est bien, il est bien. Il va me bloquer et en plus de ça avec 6 circulaires. Après moi j'ai pas utilisé de tension, j'aurais peut-être dû faire une passe. J'aurais peut-être dû faire une passe, à voir, à voir, à voir. Merci mon primo pour ton soutien, c'est adorable. C'est adorable, c'est adorable.
Bon, au moins, je lui fais utiliser de l'attention, c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est assez serré, en vrai de vrai, des deux côtés. Hop. Oh, le Marf, bon, bah, écoute, nice. On fait tomber le petit Jack, ici. Puis on va faire un petit météore géant pour se faire plaisir, évidemment. Évidemment, évidemment. Pour le plaisir des yeux, j'ai envie de dire. Pour le plaisir des yeux. Et ça va grappiller. Après, j'aurais... Non, en vrai, Supernova, ça m'aurait utilisé trop de tension. Et en plus de ça, il aurait pu faire l'âme de sable. Donc, on est good. On est good, ça grappille bien. C'est bien. Et coucou Galaxis, comment vas-tu? Comment vas-tu? Pour l'instant, match face à Moix, du coup. Moi contre Moix, tout simplement. Ah, j'aurais pas dû. Là, ça passe à son Zanark. J'ai un petit peu peur de ce côté-là. Je pense que ça passe le rempart sans aucun problème. Ouais. C'est un peu dangereux. Je sais pas si je vais pouvoir récupérer le rempart de Nathan. Absolument pas. Il me grappille, hein. Il me grappille au fur et à mesure. Ça m'embête. C'est assez serré, en vrai de vrai. Pour l'instant, c'est assez serré. À voir. Mais relance plus, la merde. Voilà. C'est abîmé. Oh, ah oui, tu pues, mais c'est pas le problème, là. Oh, le dommage, là. Oh, alors, let's go. C'est bon, vas-y, let's go. Heureusement que le Marc joue tout seul. Il joue à ma place. Il joue à ma place, c'est parfait. Hop, ici on va pouvoir passer. Je joue pas, je casse, moi. Par contre, là j'aurais peut-être dû faire une passe, je sais pas, à voir. Le Nathan, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a assez de tension? Oh! Attendez, non, il va faire une technique. Oui, c'est bon. Ouais, je casse mon propre match, écoute. Attends, c'est mon rôle, ça, du coup. Oui, vas-y, je te laisse faire, je me concentre. Hop. Bah écoute, let's go, on en profite. Comment tu peux te concentrer avec un abruti qui va gueuler dans ton micro? Mais vas-y, c'est pas grave, ok, je te concentre, y'a pas de problème. t'inquiète. Dans neige, il lance un nouveau légendaire, et là, bah c'est but, hein. Je pense qu'il y a pas trop d'hésitation. J'ai pas vu, merci Mathias pour les 100 euros. Merci Mathias pour les 100 balles, et du coup, je vais faire une autre les Strikers avec uniquement le Raymond 1, d'accord? J'ai envie de mourir déjà. Merci Mathias pour les 100 euros. C'est très mal joué. Exactement, il s'emballe. Incroyable. Et j'annonce officiellement. Attends, mais il est où mon alert box? Pourquoi voulez-vous que je sois à Walp? J'annonce officiellement. Si j'atteins les 1000 balles ce soir, dépendant de si c'est DL, parce que Jacham m'a dit que je pouvais après, soit je relance Security Breach ce soir, soit demain soir. OMG. Et Security Breach, OMG. Je l'ai abandonné tellement je n'en pouvais plus, d'accord? Et quand je dis que je le relance, je joue au moins une heure, d'accord? Hein, c'est pas je le relance pour ensuite le... Oh, que Jack est positionné. Merci Mathias pour les 50 balles. Let's go Mathias. Mathias, il ne s'arrête plus. On passe juste là. Et du coup, attends, je dois faire un live IRL à la prochaine Medinazia. Let's go. Attends, parce que là je dois du coup oui. Hop. Attends, parce que son Jack il peut bien se positionner. Non, il a pas le temps, écoute, le prochain goal Mathias, c'est Pokémon violet en Shiny Only. Oh, beau défi. Allez, j'y crois. En vrai, de vrai, ça se passe bien, mais je pense que c'est surtout grâce au host. Malheureusement, j'ai eu la chance. Je suis désolé, je vais seulement pouvoir commencer à casse correctement, mais avec les... Vu que je me reçois de me recevoir 150 balles dedans, C'est normal, t'inquiète pas. Le plus important, c'est Make-A-Wish, c'est le Buster Event. T'as raison. Voilà. Ouais, et dans 300 balles, je me chie dessus ce soir ou demain, d'accord? What the fuck? Bah ouais! Ah oui, c'est Security Breach! Oui, je comprends. Putain! Voilà! Le Angel Burger, il est courageux, mais au bout d'un moment, le Angel Burger. D'ailleurs, oui, mais t'as pas entendu du coup, vu que t'étais déjà en match, mais. Le Angel Burger, je t'explique. Vas-y. Bah hier, j'ai fait la vente aux enchères avec, en hamburger, et du coup, y a un de mes potes, il a fait une musique paria avec moi. Ouais. Incroyable! Au revoir! Tout est là-dedans, le gros truc c'est une folie douce. Moi t'as une frite et une mayo. Sam a deux cheeseburgers et deux petites frites. Et deux tartares. Naosu, ça fait ses petites commandes ici, tranquillou. Chinois. Oh, what the fuck, un hors-jeu. Les Batemus sont partis chez Deleuze faire des courses.
Et le Ravageur sur... Et Bilo rentre chez lui, donc on va passer là, on fallait pas boire un demi-classé de pierre. Voilà. Du coup, nous avons Jude, Jude Farp, qui fait la papa blague. Ah putain, il fait des tirs tsunami. Il le veut, son premier but. Il le veut. Non, oui. Tu parles de ça, Diego? Hein? Tu parles de ça? C'est tellement perturbant. Rien, on s'arrangera après. Même Mac vient de prendre le sachet, donc... Oh wow, bah là, le but il y est, hein. Le but il y est, putain. Attends, c'est vrai, j'ai pas la canote globale ici. Ah mais on a passé les 9000, let's go! Incroyable, GG! GG. C'est vrai, j'ai la seule scène où j'ai pas la canote globale, je me déteste. J'ai tellement mal joué sur ce début de première mi-temps, c'est impressionnant. Ce début de deuxième mi-temps. Mais non, écoute, ça se rattrape, hein. Putain! Ça se rattrape, TKT. Ouais, ça se rattrape, ça se rattrape. Je le fous au-dessus de ma gueule. Hein. Allez, hop, voilà, au-dessus de ma tête, de toute façon, je vais pas... De toute façon, la cam est tellement basse que voilà, attention, il y a une mouche sur mon bras, paf. Bon, j'ai fumé mon budget don, déjà. Oh merde. Enfin, quand t'as dit que t'as fumé ton budget don, ça veut dire que t'avais que 105 euros. Ah oui, c'est déjà fini, ah. Ah bah rip, hein. Bon. Ah bah rip. Oh là. Allez, la danse des halls qui part, La danse des halls du côté du bail long de moi. Et si jamais c'est égalité, on fait quoi? J'y ai pas pensé. Wesh, Dvaline, qu'est-ce que tu fais? Je l'ai pas visé! Dvaline! Non mais t'inquiète, ce genre de bug m'arrive souvent. Bah oui, mais du coup j'ai pas pu bien gérer mes défenseurs vu que j'ai voulu déplacer Dvaline. Fais chier! Ah tiens, tu avais déjà fumé le budget don l'année dernière, ça ne m'étonne pas de toi. Hop. Attendez, on va se mettre juste là, comme ça on est good. Ça rabaisse un petit peu avec Jude. Ça va ralentir un petit peu avec Jack. Allez, le mur. Okay. Ah, ouais, t'inquiète. Petite main céleste. Allez, la main céleste. Ah, c'est pas la V que tu sors, d'accord? Non, bah non. Même s'il y avait eu brèche, on aurait été tranquille. Mais oui, allez, maintenant tu conserves. Tu conserves et tu tentes de marquer. Attention, tu vas dribbler sur Axel, vas-y, passe. Non, mais Paxel plaise aussi, là. Comment oses-tu? Là, il me maîtrise sur cette deuxième mi-temps, c'est impressionnant. Bon, je suis déguisé en burger, mais vas-y, j'ai trop chaud, ça va. Hein. Non, mais quoi? Mais tu peux pas faire des passes en l'air, Sean, frère. Il fait vraiment trop chaud, sa mère, j'en ai plein le cul. Hop. Voilà, non, mais... ça part, on est parti, le bailon qui va pouvoir partir pour le tour du dragon. Est-ce que ça va tirer directement ou est-ce que ça va faire un chain? Le dragon blasté. La main céleste V. Oh oui, le mur qui sauve Tanel Giro. Attends, peut-être pas. Ouais. Mais non, bah non. L'avantage élémentaire, c'est de la merde. L'avantage élémentaire, c'est de la merde, je le dis. Je déteste la défense dans ce jeu, c'est impressionnant. J'ai rien pu faire sur cette deuxième. Je le dis et je signe à le dire que la défense dans ce... Que la défense est davantage élémentaire, c'est de la merde. Mais il a donné la manette à qui, frère? C'est fou. C'est le M-E-R-D-E. M-E-R-D-E. C'est de la M-E-R-D-E. Non mais Jack, frère. Voilà, mais c'est arrêté, écoute, au moins c'est arrêté. Ouais. Non, bah il a gagné. Passe à Nathan, qui passe à Joue de Sharp, qui passe à Bellatrix Lestrange. Voilà, ça va tenter des dribbles, est-ce que ça va? Le tir tsunami, aïe. Il le veut, sa victoire. Bref, vous avez compris, le tir tsunami qui part directement, c'est terminé. C'est ouais, terminé pour Tanejiro qui se fait avoir comme un bœuf, parce que même une main céleste, je pense pas que ça suffira. Et à cause de l'avantage élémentaire de Tsunami de Hurley Kane. Et oh, ça suffit à un poil de cul, un Michel oh. Michel, c'est un poil de fiac, ça. Oh, ce match a failli m'énerver. Je te jure, la défense, là. Le poil de cul, mais... Merde. Et putain, du coup, c'est engagement pour la DR. GG à Mwax qui gagne 2-0 ce match. 2-1, pardon, ce match. Bravo à toi. Oublie pas que bravo, t'as marqué bravo. Quand même. Non, voilà, il ne faudrait pas que tu te dénigres. Tu as quand même marqué. Tu es beau, tu es grand. Tu es Tanejiro.
Voilà. Ouais, mais là, il m'a détruit sur la deuxième mi-temps, là, c'est... Mais non. C'est d'une tristesse. Donc du coup, Ozen face à Brie, est-ce que tu t'y connais bien en team building, mon Angel? Pas du tout, mais je vais tenter de faire une analyse courte et précise. Alors nous avons Axel le surcoté, Ismo, Sean Frost, Ricardo Heiser. Ça me partirait sur une team un peu fair play lien, là je vois quelques joueurs, ouais. Bah, en plus il y a Eric sur le banc, donc un peu, évidemment on a le légendaire Jack Wallside qui prend toute la map en défense. On a du Ricardo, ouais là on a encore plus une team bien lien, enfin non pas lien justement, fair bien play, fair play, ouais. Là, fair play là, bien... Ouais. Bien, avec faut une pas grosse que je tape fasse de foot, sinon je perds en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est l'équipe de Brie, hein, et c'est celle que j'ai juste copiée, tout simplement. Tout simplement. Ça commence directement avec un très beau Mofuji du côté de Brie. Ça a envie de gagner ses duels pour augmenter sa tension. Force pour la mouche. Des petits duels qui gagnent du côté de Brie, très bien. Hop. Ça avance tranquillement, ça va faire augmenter un petit peu ses liens petit à petit. Une petite passe qui est, pour moi, qui serait intéressante pour pouvoir bien positionner son Xené ou autre. Là déjà on voit un niveau beaucoup plus haut pendant ce match. Ça utilise déjà très bien les tactiques, ça utilise déjà très bien les positionnements et ça tape direct avec du 1000 stand ralenti par Heiser. Qui et fait du coup un arrêt magnifique. Et oui, bravo de la part de notre cher Brico qui a réussi à déjà faire un tir assez dévastateur qui a quasiment réduit la barre de moitié du côté de Ozen. Les cornes de taureau qui sont lâchées du côté de Ozen. On va tenter les brèches évidemment parce que qui n'aime pas les brèches. Après c'est aussi beaucoup plus pour les focus notamment. Oui, c'est beaucoup plus intéressant évidemment. On rappelle les règles d'interplan, pas de nommage et pas de tactique droppable. Donc tout ce évidemment. Qui est bonne étoile évidemment parce que c'est la meilleure. Ce qui est mur infranchissable, etc. Bref, tout cela est interdit. La supernova qui est lâchée par Xavier Dupont de Ligonnès, accompagné de Axel Blaze. Faut faire attention parce que là, le Jack est bien positionné. En plus de ça, le Nathan. Bricoro, il se prépare. En plus de ça, il a les boosts fair play, donc il a pas trop grand chose à craindre. La petite forteresse de flamme qui est bien placée, ça augmente la défense. Ça tape déjà sur du 1100, mais comme vous le voyez, les deux défenseurs sont là. Ça arrête assez facilement. Et en plus, comme vous le savez, Bricoro est assez expert dans tout ce qui est team building ainsi que les objets. Parce que oui, la plupart des guides que vous voyez passer sur TikTok sont des vols, des images qu'il a lui-même fait, voilà, des copier-coller, voire même juste parfois c'est juste l'image qui est repostée, parfois c'est une appropriation parce qu'ils l'ont dit « Ah tiens, c'est sur un Discord, venez, je vais le prendre et me l'approprier ». Exactement. Bricoro qui est Théorie Crafter à la SUP. Ça fait but, hein, et qui arrive but, déjà hein. À mettre le premier but, punaise. Je m'y attendais vraiment pas pour le coup, bravo. Bravo. Le cul, Bricoro. Bravo à Bricoro qui ouvre le score du coup sur certains interclans. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un côté DR et un côté SUP sur les résultats. Au lieu de mettre les pseudos, comme ça, je mets un résultat total. Ça pourrait être intéressant. C'est une bonne idée. Allez, je pense. Allez, on va faire ça. En tout cas, contre-offensive du côté de Ozen. Ça attaque directement, mais Bricoro a l'air de plutôt bien gérer. Il arrête la balle assez facilement. Oh, Ozen qui vole la balle, incroyable. Mais c'est dingue, mais non, incroyable. Mais c'est récupéré par le grand, le génie, le beau, le sexy Bricoro. Merde. Oula, ça je le sens que c'était un dash pas voulu de la part de Bricoro, parce que comme vous le savez, il joue fair play et c'était le premier à dire de ne jamais dash, je crois que c'est un fail input, il va devoir changer du coup sa team, et du coup bah malheureusement il se retrouve en désavantage malgré son 1-0, assez compliqué, ça fait peur. Je pense que lui-même se sent mal à l'aise de cette erreur. Ça ne m'étonnerait pas de sa part. Après, on le sait capable quand même de garder le score, bien évidemment. Bien évidemment. Merci mon Gozox, tu as vu que j'étais en train de galérer à parler et tu me fais un avoir, c'est adorable. Et en plus, il a déjà changé toute son équipe pour essayer de récupérer des passifs assez beaucoup plus intéressants. Et par contre, on remarque quand même que Ozen a du coup une puissance de lien de 30%, donc ça peut faire très bien là. Il se met très très bien, petite défense de diamant qui est posée, la frappe elle va faire mal, hein. Peu importe s'il y a des remparts ou quoi que ce soit, ça va faire mal, il n'y a plus les boosts. Ah mais ça a mis Dvalin, c'est vrai, j'ai même pas fait gaffe, Dvalin en gardien, bon ça absorbe tranquillement. Oui, ça absorbe quasiment tout. Hein.
Ouais, bah il a refait tout simplement toute sa team, j'ai l'impression. Ce qui est très intéressant de sa part, hein. Même s'il a pu ses boosts fair play, là il va pouvoir profiter du passive brèche de la SUP plus celui de ses joueurs. Allez, ça peut le faire. King Lens qui est passé. Ça fait peur par contre. Du côté de Ozen. Bah oui, hein. De Ozen, oui, par contre. Avantage élémentaire, c'est bloqué un petit peu par Jack, mais il n'y a plus de technique du côté de Bricoro, ça va faire mal, hein. Et ça fait très très mal. Ça fait mal, hein. On perd quand même pas mal du côté de la jauge de Brie, mais voilà, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il envoie la balle à Zanar qui le Le dash meurtrier, voilà, la faute voilà, la faute. C'est ça qu'il faut, mon Brie. Brie qui allait chercher cette faute de l'autre côté sur le dash. Il a très bien fait, très 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 bien fait. Coucou Métildi, bienvenue à toi. Bienvenue. Et en plus de ça, ça le met en bonne position pour lâcher une très grosse frappe avec son Zanark. Oh, le 1100, pardon. Ah oui, d'accord. Bah oui, il y avait une puissance de lien de 30. Attention que là. Oui, d'accord. Ouais, là c'est intelligent, c'est très malin. Non, c'est pas malin. Dommage. Petit fail sur la fin de ce duel. C'est pas grave, ça arrive. Ouh là, les passes qui sont étonnantes. très étonnantes. Oui, attention parce que ça fait du cash derrière moi là. Oui, quand même attrapé de la. Ouh putain, par contre, Brie là. Brie, faut pas te prendre un tir. Ouais, Brie là, Elle est maintenant. Il a la légendaire. Pas le légendaire. Non, il va tenter de s'approcher petit à petit et le connaissant, il va essayer de faire un beau but. Une petite passe, le Xavier qui est bien positionné. Allez, mais qui va pas pouvoir faire énormément de dégâts, surtout avec l'avantage élémentaire. Il y a déjà un mur qui est placé, donc à mon avis, il y a pas grand chose qui va sortir. En plus, la main c'est l'SV. Ça utilise de l'attention et la brèche de Bricoro. Incroyable. Mais bien évidemment, deuxième but de la SUP, incroyable, bravo Bricoro, bravo, incroyable, 2-0 sur cette première mi-temps alors qu'ils ont tous les deux perdu les boosts de fair play. C'est beau ça mon Bricoro, tu peux être fier de toi, bravo, exactement le SUP power. La SUP Power, évidemment. Le passif SUP qui a encore frappé, évidemment. Incroyable. Il n'a même pas la possession de balle. Hein. Après, bon, il est quand même très très fort sur Select. Il risque au moins s'en prendre un lors de la deuxième mi-temps s'il se prend même ne serait-ce qu'un seul tir. Donc. Ouais, dangereux. Après, il se... Pardon, excusez-moi, j'ai roté. Je sais plus ce que je voulais dire. Facilite la victoire ? Non, bah non. Bref, c'est un but, c'est bien. Oui. Moi aussi, je vais faciliter la victoire, tu vas voir. Bref. Mais oui, c'est ça, le passif SUP, plus 300 de brèche, évidemment. Évidemment, et en plus de ça, du coup, Bricoro recommence du coup la deuxième mi-temps en ayant l'engagement. Petit Mont Fuji qui est placé. Le Mont Fuji, justement, pour augmenter sa tension, soit pour lâcher des grosses patates de forain vu qu'il a Bellatrix et Zaline, soit, eh bien, tout simplement pour tenter juste de brèche. Oui, ou tirer, tout simplement. Oui, tout simplement. Là, il se met bien avec son petit Bailong. Il repasse tranquillou à son clown. Il a déplacé son clown pour le mettre juste ici. Rappelez-vous, c'était Xavier juste ici. Peut-être encore une brèche, on ne sait pas. Non, je ne crois pas. Non, mais il a pas assez de tension pour faire une brèche, Tanej. Oui, c'est vrai. Pas bonne analyse de ma part. Ce n'est point possible, malgré une très bonne lecture. Oh là là là, c'est beau ça. Oh là, ça s'est bien récupéré de la part de Bricoro, incroyable. Et le Shawn, encore une fois, qui est bien placé. Il n'y a pas de tension, mais c'est pas grave, il peut passer tranquillement à Bailong. Faut tirer, sinon la balle part dehors là. La balle part dehors. Aïe, dommage. Dommage. C'est ça le problème en général des longues passes comme ça, c'est que si tu tires pas directement ou tu fais pas une technique, la balle elle va sortir. Aïe. Allez, c'est perdu. Oh, et la sortie. Non, la sortie. Oh, oui, non. Attends, quoi? Non. J'ai rien compris de ce qui s'est passé. Et Brie qui n'a plus peur de faire des tacles. Brie, c'est les rouges. Allez, par contre, là, je pense que le but. Malheureusement. Quoique, les défenseurs sont peut-être assez bien placés pour voler. Oh, attends, je crois que ça passe. Hein. Oh non, de si peu. Mais pourtant, ça a affiché 800 pour Dvalin. Oui, après, c'est peut-être la fatigue. C'est peut-être la fatigue, non. Il s'est pris beaucoup fatigue, de tirs. Ouais. La fatigue. C'est la fatigue du gardien qui fait ça. La fatigue du gardien.
Et il n'a vraiment plus peur des fautes. Il veut marquer un maximum de buts. Et il a raison. Il a raison. C'est ce qui nous intéresse dans cet interclan. Un petit tir de la part de Pailon. Le forteresse de flamme en plus de ça. Il y a Icer devant. Qui réduit pas mal, mais ça va grappiller. Et le but. Petite tension. Bon. La brèche. La brèche. Ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Mais ça grappille petit à petit. En plus, ça utilise la tension du côté de Ozen. C'est très intelligent de la part de Bekoro. Si tu me refais une brèche, je te fais un don sur la cagnotte. Pareil. Et Bricoro encore une fois qui récupère la balle, il est très bon pour récupérer les relances. C'est très 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 bien joué de sa part. Le Bailon qui est moyennement bien positionné à mon avis, quoique il peut placer le Dragon Blaster. Après il y a la Icer. Il y a la Icer quand même, faut faire attention. Faut faire attention. Et ça passe. Ça passe, ça passe. Ouais mais malheureusement les défenseurs ont largement plus le temps de se positionner. Après il y a qu'un Nathan mais ça fait du 1400, ouais, mais il y a qu'un attend. C'est circulaire, ouais. Ouais, ça arrête ouais, directement, bah ouais, hein, malheureusement. Bah ouais, donc ça a utilisé de la tension pour rien, malheureusement. Oh, le champ qui est très bien positionné. Tire directement, il sort. Et il tire. Incroyable. Incroyable. Cette récupération incroyable. Peut-être. L'avantage élémentaire absolument pas. Ah oui, il restait 1100 oui, à marque. Oui, oui, ah oui, oui. Ah oui. Le marque est boosté aux hormones. Ah, le marque ne veut pas s'arrêter. Hein. Ça part sur Axel Blaze. Ah, malheureusement, Bekoro qui voilà, se trouve de côté. Bien joué de la part zone. De Ozen. Il fait tomber le Nathan. Il a bien raison. Forteresse de flamme du côté de Bekoro. Il ne veut pas prendre de but de plus. Et il a raison. Il a raison. Ça part, par contre, le tackle avec JP était peut-être pas la meilleure des solutions. Par contre, la passe, what? Il essaie d'esquiver les murs, à mon avis. Ouais, il le fait bien, mais bon, un tir avec Janus, c'est pas le plus intéressant. Ouh, par contre, attends, et le hors-jeu, il était hors-jeu. Mais oui, il était hors-jeu, oui, il était hors-jeu, c'est vrai. On va demander l'avis de la VAR, évidemment. La VAR dit qu'il est hors-jeu, donc voilà, il était hors-jeu. Passe à Jean-Pierre Lapin, évidemment, sous marque de Jean-Pierre Papin, parce qu'évidemment, il n'avait plus d'inventivité chez Level 5. C'est parti pour la frappe de la patate de Forain qui va passer. Et incroyable, le rempart qui n'est pas positionné avec le Nathan, et ça met le troisième. Hein, voilà. Incroyable voilà. Oh, j'ai pas changé, j'ai pas mis le but. Ouais, pareil, j'ai mis pas mis le but de l'ADR. J'ai oublié de mettre un but pour l'ADR, voilà. Ouais. Voilà, 3-1, ça c'est mon Bricoro. Ça fait plaisir. Bricoro qui, je le rappelle, n'avait pas le host. Et qui maîtrise ce match malgré une faute en milieu de première mi-temps. Impressionnant, très fort ce Bricoro, très très fort. Il nous fait toujours vibrer ce Bricoro. N'oubliez pas de penser bizarre, bien évidemment. C'est ça. Et j'ai même l'impression qu'il a envie de tenter la dernière brèche. Hein. Peut-être la brèche ultime de la SUP. Ce serait incroyable parce que niveau tension, si je dis pas de bêtises, c'est faisable. Bon, il y a un hater devant, ça va être compliqué. Attendez, peut-être la brèche. Non, nous ne devons pas quand même pas. Non, il faut pas tirer le mauvais œil, ouais. Volage de balle, la faute. Ça c'est carton. Décidément, le hors-jeu. Je devrais te laisser 5 petites minutes. Attends, après, je vais voir. On pourra commencer le cast du prochain match, mais je voudrais juste vite monter dans ma chambre pour enlever 2-3 trucs et puis après je serai à toi. Ouais, y'a aucun souci, t'inquiète pas, moi, André. Aucun souci. Et c'est Donc voilà, une victoire de Bricoro. Bravo. Ce qui nous laisse du coup sur un score. Minutes, je vous laisse avec ta neige. Vas-y, y'a pas de souci. Y'a pas de soucis. Mais du coup, coucou au chat de Angel. GG du coup à ce très cher Ozen qui a honnêtement très bien joué. Il y a eu des erreurs des deux côtés, de toute façon, il faut se le dire. Mais Bricoro a réussi, malgré tout, à inscrire un très beau score. Bravo à lui. Bravo. Nous attendons donc, si je me trompe pas, je ne me souviens plus. Mince. Qui étaient donc les prochains joueurs? Je vais regarder vite fait. Ensuite, nous avons du coup Elad face à Drake. Est-ce qu'on va pouvoir avoir ce match? Je sens l'erreur de communication. Je le sens arriver. Si c'est le cas, je fais un salto arrière suivi d'une ça a l'air de se faire. Portion testiculaire. Oh non! Attends, quoi? Comment ça, tu le fais toi-même?
Je me prends la couille et je la tourne. Bon, du coup, les équipes, on les a vues tout à l'heure. On essaye de passer ça le plus rapidement possible. Voir ce que ça donne. De communication et attention, le match est parti. En attente de l'autre joueur, allez. Allez. Ça se lance, okay. Ça se lance. Du coup, engagement pour Kai, qui augmente directement sa puissance de lien. Il a totalement raison. Il profite du fait qu'il est l'engagement. Il est déjà à 23%, 26% dès maintenant. Petit mont Fuji, pardon, qui est placé du côté de Drake. Qu'est-ce qu'il fout sur le mont Fuji? On ne sait pas. Peut-être qu'il pond un nouvel album. Ou alors c'est là qu'il a fait ses fameuses photos. Bref. Vidéo, ok, j'étais pas au courant. Très belle passe sur le Bailong du côté de Kai. Un petit. Oh, 1200! 1200 dès le premier tir, oui. Le gardien n'a rien pu faire. Incroyable, ça le relance directement. Kai qui met directement la pression à Drake. Incroyable. Malheureusement, il se fait passer avec Nosaka. Le petit Zanar qui est plutôt bien positionné. Faire attention parce qu'en face, on a quand même un Dvalin. Donc, avantage élémentaire du côté de Drake. Ça va passer tranquillou sur Bellatrix. Non, Bailong. Bien faire attention du côté de Kai de bien positionner ses remparts pour bien ralentir tout ça. Oui, et puis bon, ça s'arrête oui, assez facilement. Bah voilà, ça. Mais sans problème, ça s'arrête assez allez, avec facilement. Les deux mains. Et l'arrêt de Dvalin avec ce maillot. À ta santé, voilà, ne lui va pas vraiment, mais c'est une. C'est un détail. Un point de détail dans l'histoire. Cela ne nous concerne pas. oula, le dash, qui je pense n'était pas voulu du côté de Drake. J'ai l'impression que c'est un missing pute comme Bricoro. Petit bug, c'est pas grave, ça arrive. J'imagine la passe sur Bailong peut-être. Oui, très bien. Encore une fois, il est bien positionné. Le Shawn qui va peut-être pouvoir intercepter, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça fait un 1100 dans la gueule de Dvalin. Petite forteresse de flammes, ça augmente la défense. Il a raison, mais je pense pas que ça suffira pour arrêter ce tir qui est d'une violence inouïe, incroyable. GG Kai, qui nous amène à 4-1 face à la DR. Incroyable. Kai qui creuse l'écart. Bravo. Et qui en plus continue sur sa lancée. Il récupère assez facilement la balle. Oh quoi, il lui redonne la balle. Mais il récupère la balle. Kai qui joue avec son adversaire. Je sais pas si c'était voulu, je ne pense pas. En tout cas, il farme sa puissance de lien, il a totalement raison. Par contre, attention. Oh, ballon, je savais même pas qu'il avait ballon illusoire. Si, il a ballon illusoire, ça qui. Voilà. Il aurait pu avoir torpille terrestre, mais non, ballon illusoire. Oui, bah oui, autant. Pâcher à la gueule de l'histoire, évidemment. Évidemment. Pourquoi. Gozox, c'était suffisant, pourquoi tu spam les lurks là? Oh! N'importe quoi! Arrête, tu pollues le chat, Gozox, c'était trop chiant, frère. C'était trop chiant. Bref, un tir sur Zanark. En plus de ça, trou de verre, tranquille. Il y avait les remparts en face, ça n'a rien fait du tout. Mais pas grand chose non plus. Parfait. Oula, qu'est-ce qui se passe? Dvalin. Oula. Par contre, attends, s'il y a but, là, il est pas compté, hein. Techniquement, je sais pas, attendez, qu'est-ce qui se passe? Mais là, il bougeait plus, qu'est-ce que. Bah écoute, Kai a l'air en train de jouer. Kai a l'air d'être en train de jouer. Si c'est un tag sur gardien, c'est but recevable. Hein. Oui, il est recevable, mais bon, il se passait rien du côté de Elad. Mais du coup, dans tous les cas, c'est compté. C'est compté parce que Elad s'est remis à jouer directement. Donc j'imagine soit qu'il l'a fait exprès, mais je ne pense pas. C'est une erreur de communication de sa part. Ça a bugué et ça a fait ça. Ça arrive. Mais ça reste un but quand même compté pour l'ADR. Donc ça fait un 4-2 pour l'ADR qui remonte. Oula. Ça veut faire une très grosse frappe. Il y a le Shawn entre temps, il va y avoir les deux remparts. Ça va être compliqué ça. Hein. Ça va être compliqué. What the fuck? J'ai l'impression qu'il y a de gros problèmes de communication là. Et un 1100, je voyais pas du tout cette valeur. Après, il me semble que c'est ça. Bah après, les deux ont l'air sur Switch ou au moins sur PlayStation, donc je sais pas. Ouais. Il y a l'icône de manette donc. Peut-être pour ça. Ah non, tu vois, là, Kai il peut plus rien faire.
Il fait rien. Là, il récupère quand même la balle, mais Non, mais là, il joue quand même. What the fuck, je comprends. Là, il l'a fait exprès, hein. Il a juste reculé. Tu crois qu'il l'a fait exprès? Ouais, il a juste reculé, hein. Reculer en boucle, tu crois? Ouais. Ah, et là, par contre, c'est un hors-jeu. Ça arrive. Il a reculé exprès, là? Ok. J'ai rien dit dans ce cas-là. J'ai rien dit. Petit changement du côté de Kai, si je dis pas de bêtises. Je peux pas le voir, du coup. De Kai, ouais. Il y a un mur invisible qui bloque le joueur attaquant. Ok, donc c'était intelligent de sa part. Ok, très bien. Bon, du coup, oui. Score de 4-2. Très beau score, très beau score. Ça garde l'égalité. Évidemment. Ce serait un très mauvais score si ça serait l'inverse, bien évidemment. Non, bien évidemment, on essaye de rester fair play, bien évidemment. En face, ça joue très bien. Surtout, vous l'avez vu, hein, Moix qui m'a littéralement bouffé sur cette deuxième mi-temps. À voir si Drake va réussir à faire la même chose face à Kai. Mais enfin bref, ça part sur une petite scie circulaire. Magnifique. Et avec Icer. Évidemment, arrêtez la Icer qui va claquer son gros panard dans la gueule de Xanar. C'est exactement ça qu'on veut. Bravo. Et tu vois, encore son de valide. Non, pas une deuxième fois, hein. Pas une deuxième fois, Kai. Pas un deuxième but comme ça, hein. Non. Ok, c'est bon, il bouge. En fait, j'ai peur qu'il ait un problème de manette et que du coup ça le déconnecte une fois de temps en temps. Ah, possible. J'ai l'impression que ce serait ça. Le tacle de l'Icer qui fait chuter Xanar Guru. Oh, la passe qui passe in extremis au-dessus de la tête de Ricardo, mais c'est volé. Drake, bien sûr. L'Icer encore une fois bien placé. Est-ce qu'il va réussir à récupérer encore une fois la balle à ce Xanar qui est bien évidemment. Évidemment, Icer, la GOAT de ce match, j'ai envie de dire. Et si elle a d'essayer de mettre un but avec cette très chère Icer. Le Xanar qui est bien placé, est-ce qu'il va tirer directement? Oui, tire cataclysme. Ne lui donne pas de défi, il risquerait de les faire. Et ça tape directement avec un mule dans la tronche de Dvalin. Par contre, ouais, ça lâche des trous de verre. Et ça reste supérieur et c'est le but, hein. C'est le but, messieurs dames. But. Incroyable. But. Incroyable score. 2-1 du coup pour ce très cher Kai. Bravo. Bien sûr, Drake qui va pas se laisser faire, hein. Oula. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes de connexion quand même. Et Dragon Ball Z Kai, évidemment. Évidemment, c'est ça. Allez, Drake, est-ce qu'il va réussir à mettre ce but, le petit Royal Lancer? J'imagine que ça va être passé à quelqu'un d'autre. Le King's Lance qui est lancé par Nozaka. Évidemment. Nozaka, oh, qui passe à Xanar. Ça passe à Xanar, ça a l'avantage élémentaire, c'est très intéressant. Hein. Oui. C'est très intéressant. Après, Kai positionne bien ses défenseurs, il a raison, il a de l'attention, il peut l'arrêter assez facilement. Hein. Oui. 3500. Ça n'a même pas effleuré la barre de Kai. Incroyable. Petite attaque sur trois fronts, évidemment. Je sais plus ce que ça booste. Oula, Nathan, faudrait faire... Oula, what the fuck. Oui. Alors, je crois que c'était pas voulu. Mais ça s'est quand même bien passé. La passe au Axel qui est peut-être en jeu, j'ai un peu peur. Après, dans tous les cas, là-bas, il y a le rempart. Non, il a juste récupéré la balle, ok, ça passe à Xanar, avantage élémentaire. Ça fonce, ça y va, ça y fonce, et ça va faire du gros dégât, bien évidemment. Pas forcément parce qu'il y a les murs, mais c'est... Oh, il n'y a pas de technique qui est lâchée, ok. Ça grappille. En plus de ça, il y a la fatigue du côté de Drake. Enfin, même des deux côtés, hein, il faut se le dire. Les deux gardiens sont pas mal affaiblis, même si Drake est en plus mauvaise position. En plus de ça, Elad récupère la balle. Ah, oh, ça va. Ouais, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un problème de manette. Parce qu'il reprend quand même assez vite le contrôle, donc c'est pas un problème de connexion. À voir. Xanark, ouais, petite forteresse de flammes. Je sais pas s'il est très bien positionné, ce Xanark. Peut-être... Ok, il tire directement, pourquoi pas. Ça utilise une technique, mais les remparts sont pas pris en compte. Donc ça va encore grappiller. Pas de brèche, mais ça va faire très mal. Vous voyez la barre du Dvalin. Elle en peut plus, elle en a marre. Et même le gardien, en règle générale. Et voilà, le Xené qui va pouvoir repartir, qui passe...
Oh là. Ricardo. Belle récupération hein, dans tous les cas de Kai. Et en plus de ça, il le sait avec son Zanark, il va pouvoir grappiller dans tous les cas avec l'avantage élémentaire. Donc c'est très très bien. C'est très très bien et c'est très intéressant. Et Kai qui met encore un but, mais incroyable. Incroyable. Sixième but de la SUP. Mais c'est fou. Mais c'est fou. C'est quelle équipe qui gagne? C'est écrit en bas de l'écran, mon clear. Très très bien joué, hein, de toute façon, de la part de Kai. Je m'attendais pas à tel niveau de sa part, honnêtement. Je ne l'ai jamais vu jouer, tout simplement. Donc je suis impressionné par mon joueur, qui est d'ailleurs gérant interclan, pour ceux qui ne le savent pas. Donc très fier de lui, car il l'organise très très bien. Mais apparemment, il joue aussi très très bien. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Très très bien joué, petite passe aux Zanark. Attention, pardon. Parce que là ça peut faire du dégât, il n'y a aucun souci. J'ai déjà dit, j'ai déjà répondu à cette question, Mathéo. J'ai dit sûrement 60 ou 70 euros, faut écouter. Et à ta santé, mais... du coup, mon client. Au bout d'un moment, je réponds trois fois à la question, c'est bon. Oh, c'était bien tenté de la part de Drake, il s'est dit. Ouais, c'était bien tenté, mais c'est pas passé. Et du coup, 3-1 pour Kai. Pareil que Brie contre Ozen. Oui, c'est vrai, c'est le même résultat. C'est le même résultat. Très très bien joué à nos deux joueurs. Très très bien joué à Drake. Très très bien joué à Ozen. Mais aussi, évidemment, très très bien joué à Bricoro et Kai, qui ont su se montrer plus forts sur ces affrontements. Franchement, incroyable. Je suis impressionné par mes joueurs, honnêtement. Impressionné, très très content des résultats. À voir comment les prochaines... Ils ont pris du poil de la bête, comme dirait l'autre. Ah, c'est ça, hein. C'est ça. Ils ont vu la potentielle vengeance arriver face à l'ADR, parce que, je le rappelle, nous avions perdu face à l'ADR en pleine ICL. Là, est-ce que ce sera la victoire face à l'ADR cette fois-ci? À voir. Je rappelle que la victoire sera sur le cumul des scores, donc rien n'est joué. Du coup... Titom face à Primo, capitaine de Primo, c'est Lynn, c'est ça? Oui. Incroyable. Bah, apparemment. Hein. Il a des Mais en fait, Titom, hein. C'est ça? Il attendait que je me barre pour lancer le match. Bah, la prochaine fois, barre-toi plus tôt. Ouais, c'est ça. Je vais faire ça à chaque fois, comme ça, ça va aller beaucoup plus vite. Bon, du coup, je te laisse regarder un peu les teams, dire ce que t'en penses, etc. Oui, bah du coup, là, on a du lien, hein. Non, pas du lien, ouais. Justement. On a du fair play, là. Du fair play, voilà, plutôt. Très, très bon les fair deux, play. Il y a une rota un peu lien aussi, ouais. Ouais, c'est un peu un mélange des deux. Il y a pas de Icer, quand même, hein. Icer qui est quand même dans le lien. Là, on a pareil. Ouais, c'est à peu près la même team, hein. On est sur du fair play, hein. Avec ouais, sauf que le Sam Cook est sur le banc, ouais, et t'as un Marc dans les cages, ok. À voir comment ça va se passer. Du coup, on est du côté de Titom. Engagement de son côté. Oh, ça me fait bizarre de recommenter après tant d'attente. Ah, ça booste sa puissance de lien. Bonjour Space, ça va? Et coucou Space. Alors du coup, ça a très bien fermé sa puissance de lien dès le départ. Ça veut enchaîner directement, ça va faire du gros dégât. Parce que là, bah, malheureusement, les remparts n'ont pas grand chose à faire. C'est but, dommage. Imagine. Bref, ça a pris du dégât au niveau de Primo. Ça vole la balle directement. Oula, attendez, Titom qui surprend, Titom qui est très très fort. Par contre, évidemment, okay. Les serveurs toujours en carton comme. Mais c'est déjà le but là. Oh là, Primo. Mais Primo. Primo, non. Mais Primo. Attendez, on fait quoi? On fait quoi? Merde. Attends, moi que s'il est en vocal. Attends. Ouais, mais il a mislick, mais dans tous les cas, ouais. C'est CSC normalement. Attendez, je suis. Tichou, deux secondes. Bon, on dit CSC, on se met d'accord là-dessus. C'est le pire. Merde. But contre son camp. C'est le pire scénario. Bon, du coup, ça fait deux buts pour l'ADR. Tu sais pourquoi? Parce que pire, ouais. Cacahuète. Oh, fais chier. Ça arrive, c'est pas grave. D'accord. Mais pourquoi pas, Béa, pourquoi pas? Aïe. Attends, quoi? C'est Jack qui a eu la balle là?
Je le voyais très clairement sur Xavier, mais ok, pas de soucis. Bon, du coup, récupération de balles du côté de Titom. Les gars, je vois les bandes rythmo juste à ma droite. Oh là là, oh là là. Oh là là. Ça me motive. Ah oui. Ah oui. Aïe, Titom, large avantage. Aïe. Le Titom qui claque la frappe de la mort qui tue, Lynn. Qui tente l'arrière, mais le marqué vent qui réussit à récupérer ce ballon, qui va pouvoir faire la passe et le contre. Ça part sur une récupération de Sean Frost qui va passer à personne parce qu'il la garde en fait. Et il a bien raison. Du coup, ça permet de faire une petite offensive du côté de Primo. Dangereux ce passage, faut faire une passe parce que là il y a le mur invisible. Le mur invisible, quelle belle merde quand même. Et pas une on est d'accord. Belle merde. On est d'accord là-dessus. Petit météor géant, peut-être into Bailong, j'imagine. J'imagine, parce qu'un tir direct, ça risque d'être compliqué. Mais quoi, Primo? Mais il s'en fout. Ok. Il le tente. Et il le tente, mais du coup, il y a les remparts, il y a tout. C'est un peu dommage. C'est un arrêt complet. Hein. Ouais, malheureusement, là c'est compliqué. Je dirais, c'est compliqué, lol. ça permet même de faire une autre offensive de la part de Titom avec son Bailong. Il loupe la balle. Il loupe la balle, très bien. Sinon, je pensais qu'il allait utiliser sa nouvelle super technique. L'ouragan sopalin, comme on le connaît très très bien. Non, la pirouette, cacao. Angel Absol qui veut me faire racheter de ce live. Et ça passe, passe en arrière, récupéré par. Oh, c'est joli, c'est joli. Ah, mais mur invisible encore une fois. Il ne peut rien faire malheureusement. C'est mal branlé. La tornade de feu de Axel Blaise qui est lancée du côté de Primo. Oh, tu le fais bien. Le Primo qui passe du coup à son Bailong malheureusement qui est pas vraiment bien positionné. J'ai l'impression que les défenseurs vont pouvoir se positionner assez facilement. Ça va taper directement dans les remparts. Après, c'est une plutôt grosse valeur, mais ça suffira jamais à mettre le but en plus de ça. Oh, ok, ça utilise pas de technique. Ok, est-ce que Titom a pris la confiance ou est-ce que c'était voulu? Je ne sais pas. Mathias, tu es vraiment con. Parce qu'il a fait un sondage, vous êtes plutôt pirouette ou cacahuète. Tu veux une frite? Non, mais t'inquiète, j'ai encore des frites dans ma chambre, je les ai remontées donc. C'est gentil. Adorable. Je regarde vite fait, hein, si Moix dit pas quelque chose. Je vais lui dire désolé pour la supériorité. Oh, il a bien cessé, c'est bon. En compensation. Tac, tac. Voilà, comme ça on est good. Titom qui vole la balle assez facilement. Est-ce qu'il va pouvoir passer juste après? Et non, Primo qui récupère, très bien. Bon, le mur qui est claqué avec Jack. Le mur. Incroyable. Ça va permettre à Titom encore une fois. Oh, what the... What? Attention, voici la super technique de Bailong. Vas-y. La téléportation instantanée. La pirouette de cacahuète. Et le but. Et c'est un autre but. Alors, troisième but de la part de Titom. Quand je disais qu'il fallait se prendre 4-0, c'était une blague, hein. Ouais, là ça fait mal. 3 buts en un seul match dans la phase, ça pique. Ouais, c'est ça. Toujours avantage pour la SUP, mais. Pas parfait du tout! C'est pirouette, cacahuète! Aïe, allez Primo, il faut gagner du temps, c'est ton moment. Très bien, parfait, peut-être réussir à mettre un but. Ça pourrait être pas mal pour rattraper un petit peu. Attention, peut-être le tacle. Le Zanar qui peut être bien positionné. Attention au Axel qui va tenter le tacle. Ça tape directement, le Zoé n'a jamais le temps de se... Quoi? Bah c'est arrêté, hein.
Mais c'est pas moi qui joue, Tichou. C'est pas moi qui joue. Je suis commentateur, moi je suis caster. Et oui, nous sommes des castors, évidemment. Évidemment, évidemment. Bon, voilà, du coup, petit homme qui avance petit à petit. Oh, Primo, attention, Primo. Attention, attention, attention. C'est ton moment. Sauve les meubles. Tu peux le mettre sur le tronc, Primo. Non, Primo. Attention, peut-être le moment de passer. T'es proche quand même. Heureusement qu'il n'y a pas de... Mais non, la balle qui est récupérée. Ah là 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 là. Et le bail long, encore une fois, qui est bien positionné. Ça va refaire mal. Ça va refaire mal. Attention à tes remparts, mon Primo. Est-ce que ça va pouvoir être absorbé? Absolument pas. Absolument pas. Aïe 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 aïe. What the fuck? Oh là là là, c'est ça va être compliqué là. Ça va être très 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 compliqué. Le Kingsland qui est lancé, bah c'est pas vraiment. Bah c'est but hein. Oh la mine. Attendez, il y avait de la puissance de lien là. Mais c'est une égalisation pour la DR. C'est une... Aïe, c'est compliqué là. Allez Primo, peut-être un but. Un dernier, ce serait beau. Te mets pas trop la pression, mais quand même un petit peu s'il te plaît. Aïe aïe aïe, ça se fait voler la balle encore une fois malheureusement. Aïe 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 aïe. Ah, petite sortie de terrain. Parfait, ça permet à Primo de récupérer la balle. Peut-être une occasion. Tu peux mettre un but, tu peux sauver les meubles. Allez, allez, t'as pas de quoi faire le loup légendaire, mais c'est pas grave. Maintenant, tu l'as. Ah, dommage. Allez, 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 c'est dangereux, c'est dangereux. Allez, 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 allez. Oui, oui, vas-y, tente le tacle de la mort. Non, le Zoran. Peut-être la faute, peut-être la faute. Non, dommage. Le jeu, il est avec Titom, pirouette, cacahuète. Oh non. Oh non. Primo. Mon Primo. Essaye de récupérer cette balle. Tu as la possibilité. Oui. Oui, peut-être. Oui, peut-être. C'est peut-être maintenant. Non. Non. Ah, quel dommage. Parce qu'il a pas l'air de... Il a pas l'air d'en avoir fini là. Il a pas l'air d'en avoir fini là. Il veut le mettre le dernier. Qu'est-ce que j'ai fait? Aïe 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 aïe. Le tir, en plus de ça, ça passe à Sean. Évidemment. Alors, j'ai le droit de pas être très en confiance avec ce qui vient se passer là. J'ai le droit de pas être très en confiance avec ce qui va se passer. J'ai très peur. J'ai très très peur de ce qui va arriver là. J'ai très 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 peur. Malheureusement, les défenseurs sont pas très très bien positionnés. Faites-moi ça! Oui! Oui, ça allez, arrête! Oui. Ça arrête, pas de brèche! Y'a pas la fatigue? Y'a la fatigue, Michel! Oh putain! Y'a la fatigue, mais ça passe! Peut-être passer à Sean rapidement! Non! Le 4-0 pour Titom! Titom qui nous aura fait patienter, mais qui aura réussi à mettre le 4-0! Oh là 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 là! Là. Son pirouette cacahuète là! Oh là 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 là! Aïe 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 aïe, c'est rien mon Primo, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Titom a été extrêmement bon, le jeu n'a pas été avec toi honnêtement, beaucoup de lag, on l'a vu, mais ça arrive. Bravo à Titom qui a très très bien joué, ça fait mal au cul, faut se le dire, ça fait mal au cul, j'ai mal. Mais ça arrive, ah ça là, arrive et il reste et là, encore deux matchs. C'est ça, on s'est fait rattraper notre avance, toute l'avance qu'on avait en fait. Hein, donc. En un seul match, ça fait mal. Ça fait très très mal. C'est compliqué, ouais. Aïe, 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 aïe. Je regarde juste qui est-ce qui joue après. Ce sera Roro Noam face à Théo. Ok. On vous attend. Mon Théo, je crois en toi. Je crois. Et du coup, oui, c'est bien à Théo de host, bien évidemment. Bien évidemment. Hop, je vais expulser les joueurs. Parce que, il faut expulser les joueurs quand même. Du coup, c'est au tour de Théo de host. Je vous attends tous les deux, les gars. C'est même pas la faute de Titom. Ouais, non, c'est la faute de personne. Je ne vois pas la balle 50% du temps. J'ai attendu tout ça pour jouer un match qui lag. Je suis vraiment trop frustré. Tu m'étonnes. Aïe. Roro Noam qui est déjà là et Théo qui arrive directement. C'est bien, les gars. Vous êtes réactifs. Théo qui se positionne. Roro Noam, on attend plus que ton positionnement et ce sera parti.
Ah là là, la pression qui arrive des deux côtés, des deux joueurs. Ça va se jouer en partie maintenant. Théo qui n'a pas fait le match face à Lalius niveau 50. C'est un nouveau compte peut-être, mon Théo, peut-être. C'est la faute de neige. Comment ça, c'est la faute de neige? Comment ça? Aïe. Moi, j'ai zéro problème de connexion, hein, les gars. C'est pas ma faute. Hein. C'est pas ma faute. Par contre, Angel, tout va bien? Allô? Angel? Il s'est passé quelque chose, là, j'ai l'impression. Bon, bref. C'est le même compte. Il est juste pas fait. What the fuck? Mais Théo! Mais pourquoi tu l'as pas fait? Qu'est-ce qui se passe? Bref, c'est pas grave. Du coup, équipe de Théo, si je dis pas de bêtises, concentrez un maximum sur les... Y a pas de soucis, t'inquiète pas, sur un peu de fair play, Ouais, c'est un peu de... Non, par contre... Frérot. Alors là, il y a du vol de tension, il y a du fair play, il y a un peu de brèche, il y a un peu de tout, il y a de la haute tension avec Bellatrix et Dvalin, c'est plutôt pas mal. Et coucou PTDR 126, c'est moi Bankai Club, écoute, bienvenue à toi, bienvenue. Allez, c'est parti du coup pour ce match d'anthologie, et merci pour ton follow. C'est parti, Théo qui récupère, qui a l'engagement du coup, qui va pouvoir farmer un tout petit peu ses liens avant de partir à l'attaque, bien évidemment. Ça passe à sa ligne tranquillement, il a peur des duels, j'ai l'impression. Il se fait voler la balle malheureusement sur ses passes qui sont un peu trop longues. En plus de ça, Roro Noam réussit à récupérer de la tension grâce à ses duels. C'est très bien joué de sa part, c'est très très bien joué. Aïe, ça va récupérer au fur et à mesure. J'ai l'impression que Roro Noam sait ce qu'il fait, mais malheureusement, heureusement, Théo récupère la balle assez facilement. Allez, ça part directement sur un tir. Il a raison. Peut-être une passe. Non, ça fait la technique. Les Angels qui chantent. Oh, super Saiyan. C'est ça, c'est à cause d'Angel tout ça. La petite forteresse de flamme qui est passée. Qui est placée, pardon. Oh quoi? Je pensais que c'était derrière le rempart. Très bien. Ok. Et ça l'arrête directement. Oh là là. J'arrive. Il y a des clés de chambre qui sont en train de se... Je suis le gardien des clés de chambre, donc... D'accord, mon Angel, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, t'inquiète pas. Bah, du coup, récupération de la part de Théo qui joue très bien ses duels. Il s'est fait surprendre au tout début avec ses passes, mais est-ce qu'il va réussir? Aïe, malheureusement, il n'y arrive pas à garder ce ballon. Aucune offensive pour l'instant réussie. On a quand même un champion d'Europe dans la game et c'est pas L'un des moindres, hein, oui. Après, Théo a déjà réussi à montrer qu'il était capable de faire des gros scores même face à des joueurs qui sont très bons. Donc, je n'ai pas peur pour mon Théo. Mais bon, on a quand même un champion d'Europe, quoi. Aïe, bien sûr son Sean qui était très très bien placé, et ça va faire du gros dégât, hein. Ça va faire du très très gros dégât, la petite forteresse de flamme, il a raison, mais si je me trompe pas, elle va pas être prise en compte, dû au fait que le tir est déjà parti. Ça fait du 3000, c'est très bien, okay, du côté de Théo, la main s'est laissée lever, ça prend aucun risque, c'est très bien. Ça repousse littéralement tout, c'est beau, c'est ça qui est beau. C'est ça, c'est très très bien. Théo qui prend son temps avant de faire la passe. Malheureusement, la bêta est dans le chemin. Il a très très bien joué. Et en plus de ça, ça enchaîne avec un fusion directement là. OMG. Ah oui, il faut surprendre l'adversaire. C'est exactement. Attention, peut-être positionner le jack. Oula, elle fait très mal cette fusion là. Oui, elle fait très mal. Oui, pas de favoritisme, mais la SUP. Ok. Pas de favoritisme, évidemment. Évidemment. Pas de favoritisme. Oula. Allez, Marc, prends ton temps. Attention, parce qu'il y a la soupe. Bon, Noam qui la veut, cette balle, et qui le veut, ce but. Il a déjà fatigué très bien le gardien. Théo, malheureusement, qui se retrouve dans une situation compliquée. Où est-ce que Roro Noam réussit très bien ses duels? Et c'est un hors-jeu! C'est un hors-jeu incroyable! Je ne l'avais pas vu venir, celui-là. Petite passe à Nathan. Hop, la petite ligne qui fait sa passe tranquillou. Le match Ricardo face à Ricardo, d'après vous, qui va gagner entre les deux? À voir. Je pense que c'est le Ricard. Et malheureusement, c'est l'eau qui a gagné.
Bref, petite passe à sous, le Zanar qui est en plein milieu. On va pouvoir placer les défenseurs assez facilement, c'est dangereux. Il y a moyen, hein, mais. Il y a moyen, mais l'avantage élémentaire fait peur, hein. Pas fait élémentaire, hein. Ouh là là. C'est très limite, hein, mais ça va. Théo qui n'a pas envie de donner ce but à Rouen Noah, mais il a raison. Théo, franchement, il fait vraiment du bon boulot. Aïe, mais malheureusement, ses relances sont toujours interceptées par ce très cher Oronoam qui n'a pas peur de dash en plein milieu du match. Aïe. Fait peur ce tir, mais les tirs de Roronoam sont d'une violence. Il n'y avait aucun monde où. Coucou Clear, ça va? Il n'y avait aucun monde où ce tir ne rentrait pas. Et avantage du coup de la DR. Pris grâce à Roronoam et à Titom. Je ne veux pas entendre cette musique, Angel. J'ai rien dit. Et c'est parti pour la mi-temps. Mais du coup, engagement pour Roronoam. Aïe. C'était extrêmement bien parti pour cet interclan. Malheureusement, c'est en train de partir sur les chapeaux de roue. Je l'ai écrit, j'ai peur. Gamin. Mais non. Oh non. Est-ce que le résumé de cet interclan va être la deuxième partie dans le cul de la SUP? Parce que oui, on l'a vu sur le match entre moi et Moax. La première mi-temps était pour moi et la deuxième était pour Moax. Là, j'ai l'impression que ça se passe à peu près similairement. Ça fait peur. Verra, mais on peut avoir confiance. Parce que là, rien n'est joué, regardez. Ah, j'avais pas vu que Ronam avait littéralement toute sa jauge de tension. C'est la merde. Tire cataclysme qui est claqué. Ronam qui joue vraiment très très bien. C'est impressionnant de le voir jouer, mais malheureusement. Mais attendez, mais c'est Samgook qui a été positionné à la place de Théo. Pourquoi Samgook? Mais il tape depuis. Bah, c'est le but supplémentaire. Et la brèche. Et la brèche. Le passif est stupé. Pas dans mon camp. Excusez-moi. Mais non, mais Roronoam qui mène au score et qui. Oh là là, qui. Oh merde. Tout va se reposer derrière sur Gozox. Hein. Je n'ai tellement pas. Il avait peut-être pas forcé. Ça, c'est pas gentil. Mais. J'ai déjà gagné face à Gozox, donc. J'apprécie mon Gozox, mais. On va dire que j'aurais pas confiance en moi pour gagner face à l'adversaire de Gozox. Qui l'a comme adversaire? Je sais plus. D'accord, je connais pas ce joueur, je sais plus. Mais... c'est Kozun. Kozun. Aïe. On peut y croire, peut-être le but. Oh là 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 là, ça passe directement au. J'ai au dit, Ricardo. Je veux les 1000 balles avant minuit. Les 10 000, pas les 1000, abruti. Pardon. Allez, le Jack qui va pas servir à grand chose malheureusement. En plus de ça, là, les défenseurs vont pas faire grand chose avec les remparts. Ça fait peur. Je comprends pas pourquoi avoir mis Samgook pour le coup. J'espère que c'est pas un misclick, mais là c'est compliqué, c'est le but supplémentaire. Et la brèche, mais ça enchaîne les brèches. Mais c'est fou. Ronoam, est-ce que tu veux rejoindre la SUP? Parce que vu les brèches que tu fais, je pense que tu y as toute ta place. Oh là 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 là, je suis sous le choc de ce match. De ces matchs malheureusement qui se sont pas très bien passés. 7 buts d'un seul coup en 2 matchs de temps. Ça fait mal. Ah bah si du coup. Ah oui, ok, déçu. Aïe, Théo qui n'arrive pas à gagner ses duels, c'est dommage. Il peut le faire, je le sais. Et ça va être compliqué. Que je t'aime. En plus de ça, là, le Roronoam est full tension, il va pouvoir taper avec l'avantage élémentaire. Il va creuser l'écart, malheureusement. Non, ça va, c'est arrêté. Oui, c'est arrêté tranquillement grâce au rempart. Aïe,
aïe. Oula. Mais décidément, les relances de Théo qui sont toujours interceptées malheureusement par Roro Noam. J'ai l'impression qu'il y a eu dû avoir un entraînement ou alors un talent du côté de Roro Noam à ce niveau-là. Franchement, bravo à lui. Bravo. Voilà, Supernova qui est quand même tenté du côté de Théo là. Oui, il a envie de mettre le but, il a envie de rattraper petit à petit. Même si on est sur un 6-9. Ça fait 69, bande de coquins. C'est vrai, sur mon écran apparaît donc 69. Ça enchaîne ouais. Supernova et Tourbillon du Dragon. Ça nous fait un Supernova du Dragon. Forteresse de flamme, en vrai ça peut l'arrêter. Attention. Ouais, si les murs sont posés. Avec les murs sont positionnés en plus de son. Oh non. Avantage élémentaire, ça va être compliqué. Même, ouais. Ouh là là, ouais, ça prend un petit peu, mais pas grand chose. Et là, je pense qu'il y aura pas forcément le temps de. Ah, il y aura pas mille occasions malheureusement. Et c'est Théo ça. Qui se fait surmener par Roro Noam. Ah là. L'ADR qui aura réussi du coup à reprendre l'avantage en deux matchs de temps. C'est impressionnant, il faut se le dire. Bravo à eux, bravo. Et regardez-moi ces valeurs qui sont sorties de la part de Roro Noam. C'est gentil, Clear. Que Absol n'est pas sur Pokémon Violet Écarlate, mais. Même pas le DLC, ils l'ont parmi, donc Royal, c'est parti. Oh ouais, non, la là, par puissance de cette frappe. Il veut juste abattre l'ennemi là. Ça va être compliqué, en plus de ça, ça enchaîne avec Météor Géant. Après, il y a les deux défenseurs, mais ça va être compliqué. Et ça enchaîne encore. Ça ne veut pas s'arrêter. Oui, non, là je te dis, il va juste lui mettre une pataste. Ça va péter. Oh merde. Et j'ai même l'impression que le jack n'est pas positionné, ça peut. Non avec avantage élémentaire. Oh là. 1000 de différence. Oh là 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 là. Du coup, bah plus ta frappe est forte, bah plus ton avantage élémentaire va être imposant. Je suis choqué par ce résultat. Choc barre de BZ, comme disent les jeunes. Aïe, et ça finit du coup sur un 8 à 6 pour la DR. Bon, ça Gozox, fait mal. Tu mets 5-0, ça sinon. Ça fait mal. Gozox, un 5-0 ou rien. Ça va être compliqué. Après, avoir le niveau de Kozun en face. Avoir. Hop, du coup, je vais enlever les joueurs assez rapidement. Vous l'aurez remarqué, hein, j'ai enlevé Roro Noam très rapidement, étonnamment. Non, 4-0, c'est pas suffisant, mon Gozox, c'est pas suffisant. C'est il faut sinon, mettre 5-0. Non, ça nous va pas, Gozox. 5-0 ou rien. Kozun, pardon, qui est très réactif, qui se positionne déjà, et c'est vrai que du coup, ils ont l'engagement. Ah là. C'est rien, mon Théo, ça arrive. Des défaites, c'est rien. Gozox, 5-0 ou rien. 5-0 ou rien. Je ne te mets pas la pression, mon Gozox, mais c'est un 5-0 ou rien. C'est ça. Ah là. En tout cas, très belle retournée de situation de la part de l'ADR, franchement. Bravo à eux. Je suis tout simplement impressionné. À voir comment va se dérouler ce match. Bah écoute, on se fait péter le cul, mais ça va. Ouais, ça va. Je vais bien, vous inquiétez pas. Je vais bien. J'ai tenté de faire égalité, mais je joue contre un mec de l'équipe de France. Oui, c'est vrai. En plus de ça, champion d'Europe, etc. Mais enfin, bref. C'est pas grave, mon Théo, ne t'inquiète pas. Alors, team un peu. J'ai pas eu le temps de voir. Face à une team. J'ai envie de dire fair play. Avec de l'antifaute avec Xanar. On est en train de régler quelques affaires, donc. Peut-être un. Non, il n'y a pas vraiment de lien. Ouais, c'est du fair play. Je m'en fiche. Je ne veux pas de subs ce week-end, d'accord? Je m'en fous d'avoir des subs. J'ai désactivé les alertes subs. Donc. Moi, j'ai je veux des dons pour Make-A-Wish.
Envoyez de l'amour à Make-A-Wish. Les amis, le lien est mis partout. Foncez. Vous savez qui? Parce qu'il y avait, les interviews, etc. tout à l'heure. On a fait des photos avec la mascotte. Vous saviez qui était le clampin dans la mascotte? Eh ben, c'était Bibi. Oh, incroyable. J'ai crevé de chaud, sa mère. Genre vraiment, oula, ça tire en téléguidé de la part de Cozy. Mais c'était génial. Par contre, j'ai pas aussi les photos quelque part pour le moment. Mais... ouais, il doit bien être quelque part, et dans le pire des cas, tu auras la rediffusion. Je sais pas s'il y avait un stream avec la mascotte. Bah, je t'avoue que je l'ai pas vu, donc je sais pas. Oh, il quoi pas, attends, le jeu, il était carrément hors jeu, là. Il était carrément hors jeu. On l'a vu, hein. On l'a vu. La DR qui a donné un petit billet à l'arbitre. On l'a vu. 47 000 passes qui sont claquées du côté de Kozun. Ça récupère la balle. Non, c'est arrêté par Mark Evans. Ouais, Gozox, c'est passé dans les bras. Hein. C'est pas passé sur le mur. Moi aussi, je pensais que ça passerait sur le mur. Bah oui, très clairement. Mais ok, Mark qui est passé à travers le jack. Oh, yeah, et ça récupère directement. Par contre, Kozun, je pense que Kozun ne va faire qu'une seule bouchée de notre Gozox national. Aïe. Surtout que là il gère très très bien ses passes. On dit que bah oui, la défense est un peu infâme dans ce genre de situation. Je pense ouais. Je peux déjà mettre le 11. Le 11, je pense, je suis en train de le préparer. Et GG à Kozun. Putain, en 3 matchs. Cette remontada est d'une violence pour la SUP. Mais ça arrive, c'est normal. Ils l'ont mérité du côté de la DR. C'est très 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 bien joué. Ça fait mal au cœur. De voir nos joueurs prendre une telle rouste, j'ai envie de dire. Mais écoutez, ça fait partie du jeu, ça fait partie ça fait partie du jeu, tout simplement. On va pas chercher plus loin. Kozun qui joue très très bien, il faut se le dire. Gozox, il se fait un peu surmener, surtout au niveau des passes et au niveau des dribbles. Kozun, j'ai l'impression que son pseudo me dit quelque chose, tu vois. Mais j'arrive pas à me le remettre depuis tout à l'heure. J'essaye de me souvenir, mais malheureusement, je n'ai pas le souvenir. Enfin, bref. Du coup, Jack qui a fait son mur en téléguidé, pourquoi pas le nombre de bugs pendant ce match. Le Royal Lancer qui est placé du côté de Kozun, ça veut grappiller au fur et à mesure. Et lancer l'eau. Royal Lancer. Le Royal Lancer, attention, 1200, ça peut vite partir dans les gosses l'eau. Attends, comment ça 1200 et en dessous c'est écrit 700? J'ai pas tout compris au jeu là pour le coup. Mais j'en sais rien, je pense vraiment qu'il y a une logique à ce jeu. Je suis pas sûr, mais ça fait mal au gardien malheureusement. Gozox qui se fait surmener, vous le voyez au nombre de larmes du gardien. Ça fait mal, mais Gozox peut le faire. Tu peux le faire, allez, un petit but pour toi, mais malheureusement il se fait voler la balle et c'est reparti pour un autre tir de la part de Kozun, qui joue vraiment très très bien, il faut se le dire. Tous les buts sont mérités, tous les tirs sont mérités, toutes les passes sont méritées, bravo à lui. Bravo. Mais ça me fout le seum. Ça me fout le seum. Et c'est le 12ème but. La DR qui met un x2 à la SUP. Non. Aïe. Je pense perso après, enfin de toute façon moi je voulais aller faire des trucs après. Je pense pas que je relancerai ce soir, je suis vraiment mort crevé après. J'avoue que là rien que pour mon moral ça fait mal. Mais écoutez, bon peut-être pour la le faute moral. Non, c'est pas bon pour le moral. C'est pas bon pour le moral. Bah pour celui de la DR en tout cas c'est très très bon. Ah oui, bah oui, là pour le coup ouais, leur remontada elle doit être folle pour eux. Mais encore une fois, le Xeneki est bien placé, il va pouvoir tirer comme un taré. D'ailleurs, je sais pas d'où viennent ces valeurs infernales qui nous sortent depuis tout à l'heure. Parce qu'il n'y a pas de tension. Les équipements. Ouais, c'est pas suffisant, hein. Du 1300 en désavantage élémentaire. Je sais pas d'où viennent les boosts. Hein. Mais bon. Écoutez, c'est très bien joué de leur part. Allez, Gozox. L'Icer qui était bien positionné, mais ça va faire mal. Ça grappille pour la première fois du match. Le gardien de Kozun, qui honnêtement, je pense qu'il se sent à l'aise. Gozox peut le faire, honnêtement. Ça fait des passes enchaînées, ça booste un petit peu sa puissance de lien et ça passe. Je pense aussi, perso, mais...
Aïe aïe. Ah. Et c'est récupéré par le Jack, ok. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Petite passe tranquille. Et la mi-temps au pire moment. Le Jack aux lanternes, évidemment. Évidemment, évidemment. Aïe 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 aïe. La DR qui nous met une pétée. La DR qui met la pétée à la Monique. Qu'est-ce que c'est? C'est la pétée. C'est décidé, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le René va mettre une pété à la Monique. Mais en fait non, elle a une bite. La Monique, elle a une bite. Le René voit toute sa vie défiler devant ses yeux. Aïe 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 aïe. La DR qui aura su du coup prendre l'avantage sur cette deuxième partie de la d'Interclan. DR, elle a une bite. Aïe 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 aïe, peut-être Gozox il nous prépare quelque chose, à voir des changements, à voir qu'est-ce qu'il va nous préparer. À voir. Merde. Allez Gozox. Merde. Et si t'arrives Inverse, alors même pas. Merci Antoine M pour le raid, merci beaucoup. La pluie de météores qui s'abat sur nous. Aïe, je viens de me péter le bras. Bonsoir tout le monde, bonsoir. J'espère que ça va, que vous allez. Merde, vous allez bien. Nous sommes en plein cast d'Interclan sur Inazone Eleven et en plein événement caritatif pour Make a Wish Belgique Sud parce que nous aidons les enfants à réaliser leurs rêves. Nous récoltons des dons pour l'association qui justement aide les enfants malades à réaliser leurs rêves. Nous avons d'ailleurs eu aujourd'hui directement Make a Wish qui est venu sur place pour qu'on puisse réaliser le rêve de deux enfants de l'association du coup. Et donc nous sommes tous ce week-end jusqu'à dimanche soir minuit en live pour récolter des dons pour l'association Make-A-Wish. Et c'est un troisième truc. Ouais, on avait dit un 5-0 du côté de Gozox, ouais. Ouais. C'est compliqué, j'ai envoyé mon raid trop tôt. T'inquiète, c'est... Y'a pas de soucis, ça arrive. Allez mon Gozox, bien positionné, le tir cataclysme, ça peut le faire. Attention, après c'est un marque en face. Ça va, bah j'ai déjà... La cagnotte globale est déjà à 9240 et moi j'ai déjà fait 700€ sur aujourd'hui en fait. Donc franchement c'est nickel, ça se passe nickel. Les dons vont bon train, et c'est pour la bonne cause, donc on est là pour ça. Titom, j'allais dire Titom, Kozun qui a encore une occasion malheureusement de tirer. Je comprends pas trop le choix de Gozok d'avoir mis Darren au gardien. C'est son choix après tout. Effectivement, je sais pas pourquoi. Mais bah là, oui, je comprends pas tout. Surtout qu'on a deux types de Xavier dans l'équipe en face avec un Axel. Et Nosaka, quoi. Ouais, c'est problématique. Après, à voir. Le jeu tourne bien, ça claque des balles dans la gueule. Ça va pouvoir être arrêté grâce à la main céleste. Oui, et sans trop laver. Allez. Bon. Arrêt de Gozox, c'est très bien. Ça remet même tout. Parfait, ça. C'est parfait. Pour ceux qui seraient intéressés de faire un don à l'association, n'hésitez pas. Pour exclamation don, même 1 euro, 1, 2, 1 euro, 2 euros, peu importe, ça fera la différence. Donc n'hésitez vraiment pas. Oui, n'hésitez pas, et de mon côté, c'est le point d'exclamation MAW pour Make a Wish. N'hésitez pas. Et Gozox, il y a encore une occasion peut-être de frapper. Le Shaun qui est juste là. Peut-être la brèche, on espère, non? Juste attention, c'était pas possible. Je m'en fous. Tu es dans le déni. Oui, je suis dans le déni. Ça va être impossible. Je pense que c'est la victoire assurée de la part de l'ADR en 3 matchs sans de blague. Temps. Oui, sans blague. Oh, c'est une branlée littérale. On se prend 3 matchs très vénères qui, je pense, vont affecter le moral de nos joueurs. Se prendre une session d'entraînement, à mon avis. Eh, ça c'est une possibilité à ne pas écarter, oui.
Oh là 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 là, avantage élémentaire, il y a aucun défenseur devant. Je pense que c'est le but supplémentaire. Oh putain. Aïe. Titom, Kozun et Roro Noam qui ont remis, si je ne m'abuse, 12 buts à eux seuls pendant cet interclan. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Tout simplement 4-0 sur 3 matchs d'affilée. C'est violent. C'est violent. C'est toi, c'est ta faute, mon Angel, avec ta musique du Titom. Mais comment ça, c'est ma faute? Non. C'est de ta faute, ce résultat. C'est totalement de ta faute. Et la faute. Aïe. Tu vois, même le jeu le dit que c'est ta faute, mon Angel. Mais, jamais. Je refuse. Aïe. C'est d'une tristesse, malheureusement, pour la SUP qui avait très très bien commencé cet interclan. Mais malheureusement, la DR a extrêmement bien joué ces trois derniers matchs. Ça a été tout simplement une branlée. Je suis juste impressionné par le niveau de la DR. Bravo à eux. Bravo. Aïe. Et encore une fois, le Axel qui est bien positionné. Il y a des remparts, mais bon, ça va faire mal. Hein. Ça va faire mal. Oui, il y a des glissades de la part de Nathan. Aïe. Et la faute, oh, encore une la fois. La faute de Gozov, salut. Ça s'enchaîne, les fautes. Ça enchaîne. C'est pas grave. Gozov va-t-il perdre? Tu te poses réellement la question, mon tichou? Tu te poses. Et le but! Et le but! Oh non! Bon, alors, on va vite passer en Josh Chatting. Ouais. Alors, Josh Chatting, donc, victoire de l'ADR. C'était très, très cool, tout ça. Victoire de la SUP. Ah non, c'est pas possible. GG à moi, GG à vous, l'ADR. Vous avez été excellent. Surtout ces trois derniers matchs impressionnants, tout simplement. Ça a été une branlée. Littéral, pour notre côté. Franchement, je suis impressionné par le jeu de Kozun. Titom, arrête avec ta musique. Roro Noam. Franchement, de très très bons joueurs que vous avez à l'ADR. Bravo à vous. Bravo. C'était impressionnant. Je suis dépité parce que l'interclan commençait si bien pour nous. Mais bon, le résumé de cet interclan auront été... Première partie, très très bien pour la SUP. Deuxième partie, encore mieux pour l'ADR. J'avoue. Ça arrive, très très bien joué de votre part. Tout le monde a très très bien joué, bravo à vous. Bah, sur ce, moi, Angel, merci pour ce cast avec toi. C'était très très cool. J'ai apprécié faire ça avec toi. Je vais te faire des bisous, du coup, moi, Angel. Merci d'avoir été là et bon courage pour la suite du Buster, bien évidemment. Merci. Et puis, bah écoutez, merci d'avoir été aussi présent. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie et en celle de mon très cher Angel Absol. On a passé un vraiment très très bon moment. N'hésitez pas à soutenir Make-A-Wish en faisant un point d'exclamation MAW dans mon chat via le lien de la cagnotte. C'est très important pour les enfants malades, ça leur permet de réaliser leurs rêves. On a vu des rêves réalisés cet après-midi, c'était incroyable. Donc n'hésitez pas. Sur ce, moi je vais vous faire des bisous, je vous donne rendez-vous demain dans la journée. Je vais sûrement faire un live autour de 14h, un truc comme ça. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie. Et puis bah écoutez, moi je vous fais des bisous, c'était Taneige, ciao tout le monde.